Dans cette vidéo, on découvre Assassin's Creed Black Flag. Donc, si vous découvrez un jeu où on assassine des gens dans un monde de pirates et tout, bah t'es le bienvenu. Ok, on y est. Ah, c'est moi qui contrôle le navire. C'est comme ça. D'accord, ok. Lui, on l'a coulé. Oh, c'est trop bien, frère. Allez, feu, on va le péter là. Ok, encore un tir. Feu. Voilà. Ah, c'est ça, moi, en fait, d'accord. Mais je me disais bien aussi, c'est pas la tenue d'assassin. Mais moi, je suis... Mais frère, est-ce que je suis... Mais c'est quoi, ça? Je suis l'assassin ou alors je suis le pirate victime, là? Au final, je sais pas, moi, mais bref. Faut que je nage vers l'avant. J'imagine que je vais rencontrer quelqu'un, là-bas. Oh, c'est beau. Ah, les lumières et tout, le soleil, comment c'est beau, par contre. Ah bah voilà, il est pas solo. Il faut que j'aille à la Havane. Et t'as tout cet or sur toi, bien sûr. Oh le guet-apens. Je vais t'avoir, salanguille. Ok, bah de toute façon j'ai des épées, hein. Mais du coup c'est mon tout premier Assassin's Creed, hein. Donc c'est pour ça aussi j'ai commencé par un ancien. En même temps il a l'air pas mal. Et le mec il est où? Par contre ça a l'air vraiment pas mal, les mouvements, les mécaniques d'escalade, tout ça. Regarde, frère, c'est trop fluide. Là on escalade, on passe. Est-ce qu'on peut passer à gauche là? Ok, parfait. Comment on sort par contre? Là je suis tout encombré. Comment je sors? Ah ouais, je me suis bloqué. Mais comment j'ai fait? Eh, je me suis bloqué dans le truc. Oh là, je suis bloqué. Ok, bah c'est là que je m'étais bloqué. Donc on va pas refaire l'erreur. On va monter par là. On décale. Là, il y a la surface. Tac. Il y a la petite planche. Là, on saute. Et bah voilà. Ah, mais c'est lui en haut là. Ah non, c'est un oiseau. Ah, j'ai cru que c'était lui, en fait, c'est un oiseau. Ça, c'est typique d'Assassin's Creed, ça, du coup. Le fait de se poser en haut comme ça et tu regardes autour de toi. Mais bon, je vais chercher le mec. Ah oui, ça aussi, c'est le fait de sauter. Ah, vous l'avez vu. Ok, on va perdre la vie, mais on va te suivre quand même. Ah bah ouais, c'est là, c'est lui. Quoi? Il me tire dessus. Mais il est culotté, lui. T'inquiète même pas, gros, je vais l'étrangler. Il sait qu'il est foutu, frère. Allez. Oh, oh. Comment je l'ai déglingué. C'était trop bien. Du coup, ouais, je ramasse son cadavre. Parce que normalement, pour moi, Assassin's Creed, c'est genre, c'est nous qui avons cette tenue avec la capuche et tout. Sauf que là, c'est mon ennemi. Donc peut-être qu'il va prendre sa tenue. Hop, tu vois, c'est bon, on a la capuche. Libérer le marchand. Faut y aller en force brute, j'imagine. Hein. Il m'a pas vu. Ok, c'est bon. Il me voit pas. Tu m'as pas vu. C'est une hallucination. T'es en manque de sommeil, t'es en manque de slip, t'es en manque de. Non! Allez. Oh, je te déglingue. Et bah voilà, je te libère. Le ciel soit loué, monsieur. Vous m'avez sauvé. Bon bah vas-y, on avance direct, hein, on perd pas de temps. Oh, c'est trop bien, frère. Je kiffe trop, frère. Oh, aussi, le jeu Sea of Thieves. Faut que j'y joue avec des potes, ça pourrait être trop drôle. J'ai vu des clips et tout, tu sais. Je pense que vous le connaissez tous, de toute façon, le clip, là. Le mec, on dirait, il a la voix d'Amixem. We don't like Spanish. We kill all Spanish for the king of the French. À mon avis, des streams sur Sea of Thieves, ça pourrait être vraiment bien. Vous êtes un mariné, Duncan. Ah, c'est un nerd, le marchand, là. Mais le mec, ça se voit, s'il vivait dans le monde d'aujourd'hui, il sera en mode, ouais, franchement, c'est super, les cartes graphiques. Il y a un serveur Discord. Excellent travail. On est sur la bonne voie. Mais c'est qui parle là? Wesh, mais c'est Cyberpunk ou quoi là? Je suis dans un monde de. Voilà, mais t'es qui toi? C'est très bien. C'est de la VR depuis le début. Mais non, hé, ça gâche tout. Mais je savais pas moi. T'as fait du bon travail. Ferme ta bouche. Moi je voulais faire le pirate. Moi je voulais pas de la VR. Maintenant bouge la tête. On bouge pas la tête. Non, ouais, frère, on est dans Cyberpunk ou quoi là? Mais qu'est-ce qu'on fout là? Je comprends rien là. En tout cas, tu sais ce que tu fais. Bah oui, je sais ce que je fais, je suis en vidéo là, mais pourquoi tu me. Mais c'est quoi ce bordel? Impressionnant, non? Non, c'est dégoûtant, je t'assure, je préfère la nature. Les pirates des Antilles. Tu vas bosser là-dessus. Les pirates des Antilles. Je jure, je serai avec des Antillais. Ça va être trop bien, frère. Ah, mais en fait, finalement. Ah, c'est un mécano ou quoi, lui? Mais c'est quoi ce jeu, frère? Alors, mes fichiers. Ouais, passeport d'employé. Je m'en fous, moi, je veux être un pirate, moi. Libérez-moi, je suis dans un cauchemar. Attends, juste, je me cale là. Oh là là, c'est beau. Là, on est calé en haut. On voit toute la ville. Arrêtez. Ah, il se fait agresser. Alors là, ok, faut sauter là-bas, là. Voilà. Exactement. Faut le courser, c'est un bandit. Je te brise les genoux. Mais il y a un chat sur le toit. Je veux bien, on me dit, il y avait des chats domestiques à cette époque et tout. Wesh, il se faufile entre mes jambes. Oh, ça me rappelle un chat que j'avais vu à un moment quand j'étais dehors. Et on a joué avec lui et tout. Tranquille, on s'amusait. Carrément, j'ai mis sur Insta. D'ailleurs, n'hésitez pas à me follow sur Insta. Je fais jamais ma pub, mais je mets des photos des fois quand je sors et tout. C'est sympa. Là aussi, il y a un chat, regarde. Ah, mais on peut interagir avec le chat. Il ronronne, il me kiffe et tout. Mais c'est trop bien, frère. C'est pas comme les chats de Cyberpunk, là, tu vois, ils sont miteux. C'est les chats de Night City, ils ont pas de poils.
tu les caresses si... Oh, c'est trop bien, frère, regarde comment j'escalade et tout. Oh, la vérité, je découvre Assassin's Creed, je suis en pleine euphorie, là. Pourquoi on m'a caché ce chef-d'œuvre depuis si longtemps? Non, en vrai, je connais depuis longtemps, mais j'ai juste jamais acheté de jeu, quoi. Là, du coup, Black Flag, je l'ai acheté. En plus, il coûte vraiment pas cher, il coûte genre 5-6 euros, ouais, je l'ai acheté. Carrément, du coup, si tu veux l'acheter, t'as aussi le lien en description et en commentaire épinglé. En même temps, tu vois, ça peut soutenir la chaîne. Comme ça, je pourrais faire d'autres vidéos comme ça où je découvre des jeux et tout. C'est pour utiliser la vision d'aigle. Ah, voilà, je savais qu'il y avait ça, mais. Ok, vision d'aigle. Et donc, on voit les ennemis, les animaux. On peut ping les ennemis, d'accord. Je crois que je commence à prendre le pli. Silence. Je crains qu'il ne nous ait repéré. Mais t'es trop con, toi. Mais ouais, en fait, c'est ça sur plein de jeux, ce truc-là de... T'es sur le point de te faire cramer et la jauge, elle augmente. Genre sur Payday, sur Hitman, sur Sniper Elite. Bah du coup, c'est les jeux d'infiltration que j'ai fait. Il y a les vidéos, là, qui sont sur la chaîne. Bah oui, à part ça, j'ai pas découvert beaucoup de jeux, en fait. Merde, sans faire exprès, j'ai poussé une meuf. Je voulais pas, mais aussi, elle était sur mon chemin. Engager des danseuses pour distraire les gardes. Ah, les danseuses, elles vont distraire ces mecs-là. Oh ouais, c'est des petits cochons. Ok, c'est des petits gourmands en fait. Il y a bien un mec dans la vraie vie qui a dû s'infiltrer comme ça en escaladant les toits et tout. Qui était pas forcément assassin, mais tu sais, espion ou un truc dans le genre. Suivez le capitaine, c'est lui. Ok. Oh, il me suspecte déjà, ça a pas commencé. Il veut venir voir ce qui se passe, hein. Qu'est-ce qu'il fait? Mais il est vraiment perché, ce mec, hein. Qu'est-ce qu'il raconte? Mais c'est vraiment baisé, ce mec-là. Bon, on le suit tranquillement, mais... Por aquí no se puede husmear. Ok, yo entiendo, no puedo entrar par cette entrée, mais... Puedo escaladar. Toi, dégage, toi, je vais te tuer. Personne nous verra. Oh, la balayette! Dégage! Profilez-vous jusqu'à l'entrepôt du fort. D'accord, là-bas il y a le fort. Ah, mais je sais. C'est sûr qu'en passant par le côté, il y a des. Bah voilà, c'est bien ça. On va se faufiler jusqu'à l'entrepôt du fort. Eh, je kiffe trop le jeu, il est trop bien. La vérité, je suis pas déçu. Le jeu, il est comme je m'attendais. Juste une chose où je suis déçu, c'est que bah, le personnage, il incarne un personnage, quoi. Ah, c'est ici qu'il faut que je fasse. Voilà, il y a la petite clé. Tu vois, maintenant j'ai capté, c'est les petits éléments qui permettent de. Non! Wow. C'est les petits éléments qui permettent de sauter et de passer d'une surface à l'autre. Et ah bah c'est là-bas qu'il faut aller. Et là on s'est faufilé dans le fort. Fragment. C'est quoi ça? Hein, je pense que c'est un peu comme les Korogu dans Zelda, tu vois. C'est des petits trucs de collection. Wow. Tu m'as pas vu. Ok, faut pas qu'on sache que je suis là en fait. Bah c'est bon là. Eh, j'ai réussi à... Déjà lui, je suis derrière lui. Non. Tu m'as pas vu. Bah il est où? Bah non, tu m'as perdu de vue. Les PNJ permettent vraiment de s'infiltrer facilement. Est-ce que je peux l'assassiner par surprise? Ah, il y a lui aussi. Attends, et si j'assassine le mec de gauche, puis ensuite le mec de droite? Tu vas pas regarder par là, tu vas pas me voir. Non mais... Mais tu trolls. Lancez couteau. Oh, j'ai mis le couteau dans la jugulaire. Est-ce que je saute et je plonge? Non, j'ai envie de faire ça en escalade, frère, c'est trop bien. Frère, tac, tu passes par là. Ouais, bah là, faut plonger, hein. Voilà. Là, tu sautes ici, sur le voilà, sur le pylône. Ici, encore une fois, le pylône. Zboum, zboum. C'est magnifique. Et regarde rien que l'eau. C'est un jeu de 2013, et pourtant, regarde l'eau, comment elle est. Elle est fluide. Regarde, si on saute. Tu vois, avec l'écume un peu et tout. La petite mousse, c'est beau, franchement. C'est. Regarde, frère, là-bas, il y a une montagne. Tu vois bien, frère, c'est trop beau. Avec le perso, là, comme ça, avec la capuche. Et je pense que c'est sur cette magnifique beauté qu'on va se laisser. Donc, si tu veux voir mon premier braquage sur PD2, je te propose la vidéo juste ici. Et moi, je te souhaite un bon visionnage. Et à tout de suite.